Bonjour tout le monde, ici Radio Gamer. Je changeais mon intro, j'aurais un truc bien de merde. Pour une nouvelle vidéo sur le Dreadout, n'est-ce pas? Épisode 2. Kuntilanak. Je viens d'avoir une carte à échanger qui s'appelle Kuntilanak. J'espère que vous savez lire l'anglais. Je vais vous traduire les trucs vraiment chauds. Et c'est genre le fantôme ou c'est... Oh, c'est trop bien. Hang on a minute. Et donc c'est un fantôme, en fait elle est toute jolie dans la vraie vie, et puis quand elle meurt c'est genre oh, le méchant fantôme qui veut tuer tout le monde. C'est un Yaken dans le nom, quoi. Pas un gros accent, n'est-ce pas? Actually, Miss Siska, what we should have done was taken a left turn initially. Turned right at the intersection and then went straight before turning around and making a left instead of a right. Know it all? Blabbermouth. Donc j'ai deux costumes, quoi. Tu sais qu'il y en a genre peut-être 10 dans le jeu, je peux les débloquer. Je vais en avoir une comme ça, genre... Alors l'entrée de la maison, tu sais. Enfin, pas que pour Halloween, pour tout le temps. Ça serait sympa. Nice. On attend, c'est super. What is it, Lynn? Still. What are we supposed to do now? What a wreck. With a bridge that size, this is a disaster. Bon, écoute, tu le copier. On va s'y sortir de la map. J'ai mon téléphone dans la main. Je préfère ça aussi, là, dans la vie de tous les jours, tu vois. Avec toujours le téléphone dans la main. Tout le temps. Alors, en mode photo. Je prends des photos d'absolument tout et puis niquer ma carte SD et on va voir. Je prends des photos des murs et tout. Puis quand quelqu'un me demande qu'est-ce que c'est genre ouais mais c'est un fantôme. Dad, come on, Dad, pick up. Take my picture. Where are you? Oh, nice. Why won't you just pick up the phone? Oh, c'est beau. Ils sont jolis les arbres quand même. Avec des lignes. Tu sais que ça va être vachement chiant après les lignes. Je le sens, je sais pas pourquoi. Ah, voicemail. Ah ouais. Over here. Je dois enlever les feuilles de ces orties une par une. Ah bah regarde, là-bas il y a des buissons, ça veut dire qu'on peut y aller. Oh, nice. Mais speedrun. Ok, là. C'est bien pour pas faire des épisodes d'une heure et demie, en fait. Comme dans le temps. N'est-ce pas? Je sais pas s'ils sont en ligne, en fait. Il y a plein d'épisodes, en fait, je les ai pas uploadés. Enfin, j'ai essayé de les uploader pendant genre 2 semaines, dans le temps où j'avais pas la fibre. Et ouais, c'est de la... Enfin, c'est bien à mettre en arrière-plan, c'est quand tu fais genre... des trucs. Enfin, quelqu'un qui dit de la merde dans le fond, tu vois, qui arrive pas à terminer ses phrases, qui a trop peur. Tu es trop occupé à prendre des photos du ciel. Oh! I like it! Ouais, c'est bien éclaté le modèle. Hein. Pour les textures, je veux dire, tiens, pour la géométrie, il faudrait que tu mettes un peu plus de polygones. Quoi. Mais il est sorti il y a longtemps le jeu là, je crois, il y a 2-3 ans. Je sais plus. Oh, l'objectif! Se balader, quoi. T'as dit que ça sauvegardait tout. Ça sauvegardait 10 dernières photos. Oh! Nice! J'ai envie de faire la galerie, celle-là. Je vais essayer de la mettre. Je vais faire une tapisserie. Je vais faire un tapis où c'est les tronches là, des photos. L'objectif c'est juste de se balader, quoi. Ah non, ça ne sauvegarde pas sur mon Steam. Ça, je viens d'avoir un succès. C'est genre ouais, vous êtes connecté au cloud. Ah, je vais couvrir ma magnifique librairie de screenshots sur Steam. J'ai dit magnifique parce que c'est de la merde. Ah, je sais quand même plus que quoi.
réussi à mettre des clans, quoi. Oh. 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 Mais tu peux pas avoir peur quand il y a des gens. Oh, je vais imaginer que c'était par terre, du coup. Je t'avais dit quoi, c'est mort alors. J'ai l'impression que j'ai encore raison. Ouah, ces fleurs sont vachement bien faites, on dirait des vraies. Le bon carton. C'est cool, c'est que t'as stamina illimitée, ce que je vois. Ça ferait chier de se faire courser par un fantôme et puis de marcher tout lentement. Comme dans genre tous les autres jeux. Attends, je vais checker un truc vite fait. Pas que je parle dans le... Non, c'est bon. Regardez sur la caméra, elle était toujours bien droite. Oh. J'ai mis un pied. Parce que sinon c'est trop près, puis on voit genre que le dessus de ma tête. Regardez mes anciennes vidéos Minecraft, je les ai remises en nom privé. Tu sais, quand j'avais une voix de fille. J'étais tout petit, j'étais tout... tout petit. Enfin grand, mais petit quand même. Grand pour mon âge. Une vidéo d'une heure et demie, évidemment. C'est bien fait, regardez-moi ça, là. Genre une brique. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, où en fait je me décalais plus en plus dans la vidéo et je faisais pas attention. Du coup, on voyait soit que mon front, soit que mon t-shirt. T-shirt, la France. En fait, je suis un putain de traître. Alors, tous les ans, je vais à Cologne pour les ESL. Et à chaque fois, je me prends des jerseys. Ça fait genre le gros trait parce qu'un jour j'ai le truc français, un jour j'ai le polonais. Ah bah non, il y a une limite de course. L'intro c'est tellement bien, il y avait plein de trucs qui se passaient. Pas bien. Spook. Il y avait plein de trucs qui se passaient quand même. Nice. On dirait Skrillex. Il m'en fout, aller sur Olimus d'abord. Lui au moins il a sa propre mission dans PD. Non, pas les deux. J'arrive pas à retirer aujourd'hui. He's good. Elle me suit en plus? C'est sympa ça. Moi je trouve que je les avais. Ils étaient encore la voiture, j'ai commandé que je cours tout le temps. Faut pas leur faire chier maintenant. Après je big up au programmeur qui a fait l'IA. Et les mèches navigationnelles, n'est-ce pas? Parce qu'il a dû se faire chier, hein, s'il arrive à me rattraper. Putain. Il y a un problème de taille, là. Alors. On dirait une nouvelle map custom. La même roue. Bonjour, je cherche le jeu. Est-ce qu'il y a un jeu? Je me fais chier. Genre un vieil hôpital. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? La direction c'est reset. C'est pas genre un vieil hôpital. Peut-être que c'est genre leur. Non, je l'aurais déjà vu. Leur système de mur invisible. Genre d'un God Simulator, ça te repousse dans la map et du coup tu peux vraiment sortir de la map si t'as assez de force. Ah oh. Ah, la peur. Ouh, il fait des bruits chelous. Ah bah là, on dirait le jeu. Dans d'autres jeux, c'est... J'avais dit. C'est ouvert en plus, donc c'est le jeu. Donc il y a un cochon géant et tout. Ah, je sais déjà des trucs sur le jeu, mais c'est tellement vieux, je sais pas comment le faire. Je me rappelle plus. C'est bizarre. Allez, le jeu. Dans déjà, juste un mur invisible, là, ça pourrait être un système. Doesn't that seat look exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's sit there for a bit. Il est merde. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you?
Donc là, c'est bullshit. Oh, on est meilleurs amis. Typical girl time. Hey guys, we're about to check out the inside. Nous sommes des personnages fonctionnels. Bonjour, on va vous reprendre. Maybe later. Okay, you're lost. Les jeux de gros beaufs. Hey, where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are we going now? Elle a des tombes en fait, mon personnage. I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Ça fait quoi, 10 minutes, our ride never showed up. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est barré. We clicked right away, didn't we? Et on a eu une médaille. We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a Pochong. I was so freaked out. But you weren't even phased, and you threw a rock at him. It was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. Elle a pas peur. But for free, though. Donc ça, c'est right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Ah ok, c'est genre, ils sont tellement copains que c'est genre, c'est des sœurs quoi, et pas pour de vrai. Ah, et c'est bien, notre personnage c'est Gordon Freeman quand il parle pas. Donc ça c'est cool. Hold on, they've been in there for a really long time. Ah, c'est plutôt vous qui êtes resté à ce moment. We should probably go check on them. Ok, maintenant on va les trouver genre tous décapités hein, et tout. Oh, comme il fait beau. Il y a déjà une vignette. Vignette, un overlay. Overlays. Mais qu'est-ce qui se passe quand on croise un paquet de chips et puis un jeu vidéo? It was like some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? Quand on croise overlays, c'est overlays. It really is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Ça c'est la prof en fait. Hey, where's Yayan? Ah, oh, crap. Where the heck did he run off to now? Les gens qui ont dû se foutre de sa gueule quand ils étaient jeunes, hein. Yayan. Allez, j'oublie qu'on peut passer les cutscenes. Désolé, hein. Je vous appelle, mais peut-être que ça vous intéresse aussi, les gens qui parlent de rien. Pendant des heures sur des bancs. Donc quand ta caméra glitch, tu sais que t'es dans la merde, quoi. Ok. C'est bon, ça va. Soudainement, elle est toute seule. Ok. Et le jeu, il commence. Tiens, j'ai le pouvoir. Et le jeu commence. J'avais un truc à tester. Est-ce que la sensibilité, c'est en fonction de la sensibilité de ma souris aussi? Parfois, il y a des jeux qui peuvent prendre. Yes! J'apprécie le 25 000 DPI. Ok. Oh! Pourquoi est-ce qu'il y a un bruit qui fait peur quand c'est une vignette bleue? C'est important, les vignettes bleues, c'est-à-dire que c'est bien. Oh! Encore une statue chelou? Non. Objectif, objectif. Alors. Ah ouais, c'est en haut, d'accord. Le seul moyen de partir d'une école, c'est par la porte d'entrée. Non. Les fenêtres? Non. En fait, ça donne un coup de pied là-dedans, puis c'est sorti. Il y a un objet ici. Quelque chose. Donc faut trouver une clé quoi. Les gars chutes. Oh mur invisible. Ça va cette ma vue. Putain qu'est-ce que ça fait. Je suis comme ça. On entend. Je sais pas lire indonésien. Ouvert. Donc ça c'est le checkpoint quoi.
Regardez comment je suis lent. Y'a que dalle ici. Je vais prendre en photo la porte, c'est ça? Non. Est-ce que je peux flasher les rats? Ils sont plus là, ok. On va commencer par les couleurs du bas. T'es prêt pour le bon jumpscare de merde? Putain, franchement, je sens que je vais avoir une phobie des couloirs bientôt. Oh non. Les fantômes high-tech. Oh, le truc qui va popper derrière. Oh, le truc qui va popper derrière. Non. Saras. Non. Putain de merde. Les fantômes. Oh. Putain, pourquoi je vois des jeux comme ça? Non. Je sais pas si c'est une erreur de luminosité, ça. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand un fantôme te choque, il te fait peur, tu vois. Ils ont quel âge? Tu peux pas juste te donner un coup et puis faire ouh. Puis partir, genre faire 5 pas en arrière, puis recommencer. Ce que je sais, c'est que le fantôme il va te faire peur et après tu pourras l'attaquer. Putain, trop du cul. Ça se fait peur. Puis c'est quoi ce thème, cette ambiance de merde? Oh non, ça se fout. Tu sais, c'est qu'il faut vraiment regarder pour voir ce qu'il y a, s'il y a un fantôme, mais le truc c'est qu'il peut popper en plein dans ta gueule. C'est des granolas. Faut pas se fier, hein, quand le son il est pas là, justement, c'est là où faut paniquer. Parce que c'est souvent quand il n'y a pas de son que c'est qu'il y a un truc qui est derrière. Putain, vas-y, une musique d'ambiance de merde. Ils ont mis leur bac, ils ont mis leur sac au fond de la classe. Ouais, mais aussi si j'ai envie de vite terminer le jeu, comme ça c'est vite terminé, puis je me plante dans les salles. Mais à quoi elle sert cette salle du coup? C'est genre une mission stealth, on peut se planter dans la salle et il y a quelqu'un qui passe. Puis c'est juste là, je l'entends pour... Ouais, non, rouge. Beaucoup de rouge. Mais y'a rien. Ah si. Non, mais non, pas regarder. Juste là. Ah bah c'est le cochon, je suis con. Oh le con. Ouais, donc c'est une mission. J'arrive à passer et puis je. Tricheur. Ah, c'est un homme en fait. Quand tu prends photo, deviens plus petit, d'accord. Ouais, allez, putain, je suis un bonhomme ou pas? Alors. Il faut prendre les clés de la nuque du cochon. Ouais, on va dans les toilettes. Ouais, plus safe, putain. Plus c'est de la merde, les toilettes là, c'est plus petite. Moi, si tu fais clic droit, il y aura genre putain de pédovert. Attention, les dernières toilettes, c'est les pires. Je
les toilettes c'est des baignoires dégueulasses. Il y a un objet ici apparemment. Proche d'ici. Allez, photo du miroir, mauvaise idée. Meilleur endroit pour un spook. Toilette des mecs, c'est fermé, tous les coups. Non. Alors on suit pas les stéréotypes. Là c'est le genre de jeu où tu préfères regarder le mur. C'est tellement moche. Non, je déconne. Attention. Il y a un objet en plus. Non, ça se fait pas. On met pas des vignettes rouges quand je suis enfermé dans un petit endroit. Ah non, ce qu'il est de l'autre côté. On va sur les escaliers. Ça a pas été vrai. Oh, allez, appréciez vos cauchemars. Non. Je crois qu'il faut passer à côté de lui et puis aller là où il va pour se régénérer. Tu sais qu'il y a un couloir où il y a un fantôme qui fout vraiment trop les boules. Ah, il fait le tour quoi. Bleu. Mur invisible. Non. Je suis bloqué par quelque chose. Non mais c'est quoi ça, putain. Non mais casse-toi. Mais c'est quoi? On va mettre un cap à face maintenant, c'est ça? Ou c'est juste un indice mais genre le trou du cul. Il est toujours là, il est toujours là. Ah bah non, il est sympa. Ah bah si, il est sympa. Sinon j'aurais des vignettes rouges. Ah c'est pas là la salle où il y a tout le monde qui s'était pendu. Là, je me rappelle de trucs super spécifiques. Il y aura un puzzle bullshit. Ça c'est bien aussi que j'ai regardé dans le temps les let's play. Parce que les puzzles super bullshit qui prennent genre 3 heures à résoudre, parce que c'est genre faut aligner des textures. Je vais faire en genre 2 secondes. Billy Johnson. Johnny McLeffy. Couloir de merde. Plus c'est une école, qu'est-ce que tu tires? Ça se fait pas les couloirs quand même. Moi les couloirs je dis non. C'est pas bien les couloirs. C'est pas bien les overlays qui cliquent aussi. Là, faut trouver des ciseaux dans des bureaux beaucoup trop spécifiques. Dans un bureau beaucoup trop spécifique. Oh! De du corps, c'est bien. Petite signature, c'est par les mecs de la prod. Donc, les salles-là sont ouvertes pour une raison, évidemment. Ça veut dire qu'il va falloir se planquer bientôt. Excusez-moi hein, si je vous rends tendu, moi ça me ferait chier aussi de regarder une vidéo de quelqu'un qui ça fait peur. Madame Curfew, oh merde. Qui suis-je pour juger? Ok. Quoi. Un arte, trouver un arte, ok, c'est un succès. Donc là, ça dit simplement oui, dans le village là, là où je suis, dans la ville là, le jeudi soir, on n'a pas le droit de. C'est interdit d'aller dehors quoi. Et que les gens ils sont très très stricts là-dessus parce qu'il y a genre plein de superstitions.
Et en fait, c'est parce qu'en Indonésie, si je dis pas de la merde... Oh, checkpoint, checkpoint. Si je dis pas de la merde en Indonésie. Hop là. Checkpoint. C'est genre... C'est comme le vendredi 13, tu vois. À minuit. Ah, il est toujours là, Johnson. C'est genre la nuit qui fait peur. Ouh. Faut pas y aller. C'est ça. Exactement ça. Mais c'est le jeudi soir. Puis c'est genre la plein de superstitions dans le village où ils sont là. Dans le genre de village où t'as vraiment envie de... d'élever tes enfants. Mais après, au fur et à mesure de l'histoire, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de vous dire de la merde encore, parce que j'ai jamais joué au jeu. C'est le genre de jeu où je connais un peu dessus et puis j'ai jamais joué. Il y a des jeux où je connais absolument tout dessus, j'ai jamais joué, genre Outlast. Donc je connais pas Outlast par cœur. Oh, c'est pas là le couloir de merde avec le fantôme. Si, c'est ça. C'est le couloir là. Le fantôme là, c'est le pire fantôme du monde. Faut vite le buter parce que je le déteste. On dirait un mec dans une guilie. Genre, c'est le militaire qui a mal tourné. Il est pas beau! Il va se téléporter. Parce que le fantôme là, il va te chasser partout dans l'école. Il a bien ses yeux, par contre, on dirait les. Lunettes de magie. Oh, coucou Johnson! Il vient de passer. C'est un piège, il est toujours là. Haha! Ça, je sais dire. Le jeu, donc, pour pas se faire jumpscare, pour pas avoir peur, faut. Ah! Tu peux le tuer, faut juste le spammer avant. Faut vider ses cartouches. Quoi. Est-ce que tu peux mourir un peu? C'est genre ce fantôme qui. T'es pas censé le tuer, mais tu peux, quoi. C'est le fantôme bullshit qui tue dans toute l'école, tu vois. Ça, je sais, tu vois. Il y a son modèle qui a changé derrière, c'est tout assez vrai. C'est plus gros le truc. Ah, Johnson! C'est cheaté. J'ai envie de voir ma galerie maintenant. Tu vois comment rentre un fantôme qui fait peur plus du tout. Mais je l'ai défoncé. Saras. Non, elle est juste là, elle est juste là. Mais c'est quoi? Non, faut la tuer en fait. Parce que voilà, elle te suit partout, je savais bien. Son modèle change. Son dos, il est plus cassé. Ouais, mais c'est relou, parce que si tu lui vides deux chargeurs et puis elle te spook. Fais dans le mur. Johnson. T'es pas dans le mur. Ouais, non, mais ça. Je vous l'avais dit qu'il fallait vider son chargeur. Ouais, mais limite quand même. Bon, moi je pense que c'est pas mal pour l'épisode 2, n'est-ce pas, hein, pour la partie 2 de Red Out, le meilleur jeu de l'univers, n'est-ce pas? Sans l'heure, là, bientôt fini du jeu. C'est pas du tout le début du jeu où il y a une forêt après et tout, hein, c'est bon. Oh putain, j'aime pas les jeux qui font peur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça?
Bon, bah, à la prochaine fois. À très bientôt. We'll be right back.